Bonjour. J'ai des herbes m'énerver toute seule à mon coin. Et du coup, je m'énerve au vu et au sud de tout le monde. Je demande, qui doit pleurer, non? Hein? Je vois des messages là. Mon frère Abdelaziz, je viens te tomber dessus en direct. Qui doit pleurer, non? Hein? Qui doit pleurer? Les qui doivent pleurer? Est-ce que ceux qui sont dans cette situation, le 237, eux-mêmes pleurent? Pourquoi nous ici, nous qui sommes confortablement assis ici, devrions pleurer? Pourquoi? Parce que la part de l'humanité, là, nous avons tout pris, nous avons mis en nous. Nous n'avons rien laissé pour les autres. Ah non, les gars, quand on entre dans la lutte, hein, on finit par durcir son cœur. Oui. Moi, mes rips maintenant, je les compte, ça. Je rip pour ceux qui se battent. Ceux qui meurent faute à pas de chance. Je ne pleure pas pour des personnes qui sont averties et qui restent dans le danger. J'ai publié des alertes données en 2019. Nous-mêmes, si, quand nous avons vu des habitations sous ce flanc de montagne là, nous avons dit que l'affaire va finir par cuire ici. Oui, la nature réclame toujours et a toujours son dû. Dans au moins un direct, je me souviens qui marchait même dans le Cameroun là, comment on appelait notre frère combattant là qui marchait dans la ville de Yaoundé. Il était allé faire un direct sur le flanc là. Et nous avons regardé l'affaire là comme ça. Nous avons dit que le jour où le morceau de rocher va se détacher là, ça va être bombardé en dessous. Mais vous êtes dans un pays dans lequel vous avez décidé qu'on ne doit pas gouverner le pays, non. Qu'on ne doit pas diriger le pays, non. Qu'on ne doit pas urbaniser, non. Vous voulez que qui pleure? Sérieux, vous voulez que qui pleure? On pleure pour les êtres humains. Quand tu tues un poulet, tu pleures pour le poulet. Tu le bouffes, dis donc. Hein? Non, tu le bouffes. Nous allons, sauf que payer le prix. Si les Camerounais veulent que la moitié de la population meure, afin qu'ils comprennent que seule la lutte libère, mais nous allons faire avec les survivants. Vous pensez que moi, je me donne encore? Ah non, moi, je fais le service minimum. Je viens poser dans le système. J'avertis. 2019. Donc, Abdelaziz, nous devons d'abord pleurer. Ça va faire revenir les morts là. Ça va changer quoi à la vie de qui? Hein? Comme les Africains aiment les pleurs là. Donc nous allons pleurer, ensuite nous allons penser à l'urbanisation. Pendant que nous pleurons, d'autres vont mourir, non? Hein? Il y a 2 mois, il y en a 40 qui se sont couchés à Douala. Nous avons pleuré, n'est-ce pas, Abdelaziz? Hein? Après avoir pleuré là, quelqu'un a activé l'urbanisation? Personne. Donc pourquoi est-ce que nous allons pleurer pour les 10 de Yaoundé là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc, il y en a qui méritent des pleurs au 237 et d'autre part. Et nous n'avons plus de larmes. Soit tous les Camerounais se réveillent, chassent le régime Biya, afin qu'une nouvelle équipe soit mise en place pour que nous travaillions à construire notre pays. Soit ceux qui sont les plus faibles, sélection naturelle, les plus faibles vont partir. Le jour où l'instinct de survie là va se réveiller chez tout le monde, nous allons faire avec les survivants. Capiche? Hein? Quand vous avez un peuple qui passe son temps à vouloir du mal à l'autre, vous voulez que qui pleure, non? Nous allons tous devenir de petits diablotins dans ce pays-là. Oui, à force d'être tapés par les diables, les premiers diables, nous aussi nous allons apprendre à devenir des diables. Oui! Et le retour de bâton va être phénoménal. On ne pleure pas. Seule la lutte libère. Quand on pleure, on ne peut pas se battre. On ne pleure pas. Hein? On ne pleure pas. L'instinct de survie veut que tu ne te mettes pas en danger toi-même. Bonjour Daniel. Ce quartier-ci n'a même pas 10 ans. Là où je suis assise, là, alors. Hein? Ça, là, ça n'a pas 3 ans. Regardez, ce quartier, cette partie-ci. Il y avait une école ici dedans. Dans des préfabriqués. Vous entendez le bruit là-bas? Là-bas, c'est la nouvelle école définitive. De l'autre côté là-bas, vous avez, que je ne me trompe pas, c'est pas ma taille. Là, c'est, comment on appelle?
Ici, c'était Jinko provisoire. Et là-bas, c'est Kalo. La nouvelle école à l'horizon là-bas. Vous avez vu, vous entendez les cris là. La provisoire était ici. Et on va en faire un stationnement pour camping-car. Là où vous voyez là, c'était une école provisoire dans des préfabriqués. Regardez le quartier. L'école que vous voyez à l'horizon là-bas n'a pas 5 ans. Il y a une deuxième ici là, à même pas 200 mètres. Vous avez vu? Regardez un quartier récent. Ça, c'est de l'urbanisation. Voici le quartier des Girondins, fraîchement sorti de terre. Abdelaziz, tu vis en France. Est-ce qu'ici, on dit enterrons-les d'abord et ensuite on verra pour l'urbanisation? Non, mais de qui se moque-t-on, dis donc? Donc, quand ça arrive en Afrique, on pleure d'abord et ensuite on voit comment on va changer les choses. Au bout de la 40e fois, on se décide à changer. Il faut nous dire. Ces catastrophes-là, c'est la première année. Elles ne font que se multiplier, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus de morts, n'est-ce pas? À quel moment est-ce que vous ministrons? Lequel? On a dépêché qui? Hein? On a dépêché. Vous avez déjà vu? Nous sommes à 1H. Combien d'heures après la catastrophe? Combien d'heures après la catastrophe? Vous avez vu un ministre pointer là-bas? Un messager de billard? Hein? Quand Attangan dit doit sortir pour nous passer au Moulinex, il est très fort, non? Que tu as couru, tu essayes à sortir. Hein? Vous avez vu des secours? Hein? Où sont les pompiers? Pour ceux qui ouvrent leur bouche à Samy Lenoir, oh oui, vraiment, hein? Où était l'ambulance? Voilà la capitale. Je dis que là où je suis, la mieux, il ne faut pas le direct. Parce que la violence qui est en moi, là, sauf que me verser sur tous les noms qui passeront par mon cerveau. Hein? Oh, ambulance, en combien? Là, c'était à Kribi. 40e ville du pays. Là, nous sommes à Yaoundé. Hein? Nous sommes à Yaoundé. Vous avez vu une ambulance. Vous avez vu des secouristes. Vous avez vu les pompiers. Hein? Pour ceux qui aiment souvent à ouvrir leur large bouche, Michel Biemton, il faut que je me calme. Michel Biemton, ta part là maintenant, c'est quoi? C'est que ce sont les mêmes voitures, c'est quoi? Pour toi là, c'est quoi? Tu vas t'arrêter quand? Ta folie là va s'arrêter quand? Hein? Maintenant, c'est que quoi? La voiture là ressemble à la voiture du film. Et alors? Ça prouve quoi? Il y a des moments, il faut savoir sceller sa bouche. Hein? Michel Biemton, tu es enquêteur depuis quand? Tu es enquêteur depuis quand? Ton macabo la boit de l'acide, ça descend. C'est tout ce qui te reste à faire. Il n'y a pas d'affaire, Samy Lenoir. Il n'y aura jamais d'affaire, Karine Mungwe. Du moins pas sur cet événement-là. Va creuser ailleurs. Va prier le diable pour quelque chose, pour que cette femme la déclenche, ce qui va la mener en prison. En attendant là, Camembert, gère ta vie. Tu n'as pas de quoi faire. Hein? Dès qu'on sort de quelque chose, vous ouvrez une autre porte. Bonjour Lolo. L'accident, mais non, c'est que l'accident là, c'était quoi le film? Samy Lenoir est mort ou il n'est pas mort? Il est mort en plein tournage de film. Qui était le réalisateur? Qui était le producteur? Hein, Michel Biemton? Qui était le réalisateur? Qui était le producteur? Parce que je sache, hein, Samy Lenoir est bien à la morgue. Hein? S'il est mort en jouant son rôle d'acteur là, qui était son employé? Son employeur, pardon. J'ai pas encore entendu que Karim Mungwe était en train de tourner un spot publicitaire à Kribi. Hein? Quand bien même, ce serait un accident de travail. Tu cherches quoi? Hein? Ce n'est plus la batte de baseball. Maintenant que vous avez la vidéo longue de l'accident, issu d'une vidéo sur surveillance. Donc, c'était la caméra du film. Hein? Hein? C'était la caméra du film. Ils savaient qu'il y avait... Ils sont seulement venus tourner le film là devant. Des gens qui ont la bande depuis un mois. Vous moquez de l'opinion publique. Maintenant, tu nous dis que oh, les deux voitures se ressemblent. Donc, c'est pour cela que la vidéo là a été publiée. Hein? Vous mentez, dis donc. Là, ça va être le massacre. Dès que quelqu'un va sortir, je tombe sur la personne.
Pas vous qui dites que on pas 100 ans de cerveau liquéfié là, qui dit que nous allons courir. Tu vas courir avec qui? On court avec le dernier de la classe. Hein? On redresse les bretelles du dernier de la classe. Sur la tête du dernier de la classe, on met un bonnet d'âne. Bonjour, petit Roten. On est où là? Hein? Pendant que vous êtes sur Karim Mungwe, pendant que nous sommes tous sur Karim Mungwe, nous empêchons à l'âme de Samy Lenoir de reposer en paix. Nous laissons les problèmes du Cameroun. Hein? C'est à cause de Karim Mungwe que tu as bossé, mon frère. C'est à cause de ces faits que tu as dû quitter le Cameroun. C'est à cause d'elle que Biya t'a fait enfermer. Non. Toi, tu as pu sortir du Cameroun, tu as fermé la porte. Tu souhaites du mal aux autres. Tu souhaites que d'autres aillent en prison gratuitement. Pourtant, tu en as fait les frais. Adama, on peut être aussi machiavélique. Même Machiavel là s'assied et prend des coups chez vous. 4 mois. Et ça se dit intelligent. Hein? Hein? C'est nous qui devons nous taire et laisser les derniers de la classe. Michel Bempton, abîme tes foires. Le Cameroun dans lequel les médiocres là sont mis en avant, c'est... Non, on va arrêter ça, mon frère. Il y a trop d'intelligents, enfants du 237. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop, Michel Bempton. Trop c'est trop. Désormais là, vous sortez faire votre massacre là. Nous vous opposons, une comme moi, je vous oppose à un autre massacre. Nous ne pouvons plus laisser faire, nous avons trop laissé faire. Pour ceux qui disent que oh, nous gâtons l'image du Cameroun, non. Ceux qui gâtent l'image du Cameroun là sont un peu trop bien cachés. Dès que tu dis je suis Cameux, la personne en face de toi c'est Guy Barré. Faire preuve d'autant d'imbécilité dans une seule république, c'est pas normal. C'est pas normal. L'affaire Samy Lenoir est, si le Cameroun n'a pas ouvert une enquête, c'est déposé, c'est plié. On enterre ce monsieur-là et la faute n'a pas de chance. La faute n'a pas de chance. On n'a pas besoin d'avoir un QI de si c'est 130 ou 150 pour avoir vu que l'histoire là, c'est la faute n'a pas de chance. Vos histoires de tribus là, vous allez vous les carrer où je pensais. Si vous pensez que le domaine de définition d'un individu, c'est sa tribu, c'est pour vous là-bas. Là où tu vis chez les Vikings là-bas, je ne pense plus que dans ce pays-là, on mette en avant des tribus. Pourtant, il y a des tribus là-bas. À l'origine, c'était des tribus. Oui. Va leur demander à eux. Va leur demander à eux. Michel Bempton, la honte devrait t'étouffer. Elle devrait t'étouffer. J'ai jamais vu des personnes qui activent, qui nourrissent autant de haine basées sur des choses insaisissables. Parce que telle est de telle ethnie. Parce que telle est de telle ethnie. Rien ne va arriver à cette dame-là. Buvez de l'acide, le macabre la descend. Rien ne lui arrivera. Lui, si elle a fauté quelque part, elle payera pour ses fautes. Mais pas pour ce que vous lui imputez. Le Cameroun est en train de se désagréger un peu plus tous les jours. Ce n'est pas en vous accrochant sur des individus que vos vies seront reluisantes. Non. Ce pays-là va engloutir une partie si nous ne nous battons pas. Eh oui. Et comme j'aime à le dire, les nous autres, là, nous sommes un certain nombre là. Nos familles ne sont pas les plus riches. Elles ne sont même pas riches. Mais elles sont un tout petit peu accrochées quand même. Hein. Elles ne sont ni riches ni pauvres. Eh oui. C'est pas demain que ma soeur se réveillera les pieds dans l'eau. Ce n'est pas demain que mes soeurs se réveilleront les pieds dans l'eau. Elles ne sont pas en zone inondable. Donc quand nous nous battons comme ça, quand nous tirons sur les sonnettes d'alarme, ce n'est pas pour nous directement. Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'humanité hein, que ce pays-là abrite. Parce que Douala ne nous a pas servi de leçon. Dans un pays normal, on aurait fait des guerres depuis longtemps.
des personnes qui sont en zone inondable, qui sont à flanc de montagne, parce que le pays n'est pas urbanisé. Là, vous parlez de 25 maisons, mais 25, c'est rien. Un jour, nous allons nous réveiller, c'est tout le quartier qui sera au sol. Je dis bien tout le quartier. Le trou, là, sera visible du ciel. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a éboulement à Yaoundé? Est-ce que c'est la première fois? Vous vous souvenez de l'endroit où les gars étaient allés faire la fête? Ebouloyanjanga. Vous vous souvenez du quartier où il y a un monsieur qui prenait de l'argile sous une maison? Ebouloyanjanga. Abdelaziz, nous devons pleurer et ensuite faire quoi? Ah, maf, dis donc, laissez-nous ça. Hein? Les Camerounais ont décidé de ne pas être humains de temps en temps. Rendons leur l'inhumanité là bien. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Hein? Moi, si là, si ça clignote là, danger, danger, je ne prends pas mon corps en direction de cet endroit-là. Hein, Abdelaziz? Je crois que nous bavardons assez comme ça. Mais nous autres là, nous sommes estampillés. Hein? Les pros ceci, les pros cela, tel ne sera jamais président. Les Camerounais ne regardent jamais le doigt. La lune, ils regardent le doigt. Donc quand ça arrive comme ça, je veux aussi voir, il faut que je voie aussi comment la Turquie va nous renvoyer notre million de dollars. Hein? Nous avons donné la dernière fois 1 million de dollars à la Turquie après le tremblement de terre, non? Mais nous attendons notre part là. 25 familles endeuillées, plein d'enfants dedans. Ne serait-ce que vos ministres, nous les attendons sur le terrain. Ils attendent que les civils aient fini de déblayer pour venir offrir des matelas. Dites-moi, la société civile a fait quoi? Nous devons pleurer. Pour la 40e fois. Pour la 40e fois. Hein, mon frère Abdelaziz? Douala, c'était quoi? 31 personnes, 41 personnes. Nous n'avons plus de larmes. Oui, nous n'avons plus de larmes. Nous avons pleuré la dernière fois pour plus de 30 personnes, donc c'est bon. Les autres là, c'est bon, il n'y a plus de larmes. Il y a même les rips là, il n'y a plus d'encre dans le stylo pour écrire rip. Un pays, 21e siècle, qu'est-ce qui n'a pas encore été pensé ici en matière d'urbanisation? Qu'est-ce qui n'a pas encore été pensé en matière d'urbanisation? Dites-moi. Est-ce que les Camerounais sont les premiers à devoir vivre à flanc de collines? Allez en Italie. Allez en Italie. Ici en France, il y a combien d'habitations à flanc de collines? Les autoroutes, combien d'autoroutes? Combien de routes à flanc de montagne? Hein? Ça se surveille. Un pays se bâtit. Nous avons décidé de vivre, même le singe là, même le gorille là, hein? Même le chimpanzé là, tape d'abord comme ça. Sur le tas d'herbe avant de se coucher. Même le chimpanzé la casse d'abord l'herbe comme ça, tapisse son lit avant de se coucher. Les Camerounais ont décidé que pour eux sort comme ça sort. Eh ben, nous allons aussi mourir comme ça sort, prématurément, d'une façon stupide. D'une façon stupide. Personne n'est à l'abri. Même Bia que vous voyez étourdi là-bas, étourdi là peut s'écrouler sous ses pieds. Oui. Parce que les gars ne veulent pas bâtir le pays. Les gars ne veulent pas bâtir. L'eau s'infiltre de partout. Hein? Aider à dire, ne pas aider à Yaoundé, dire à quoi? Soyez Diola avec combien de milliers de personnes? Je ne suis même pas sûr qu'il y avait 500 000 habitants à Yaoundé. Hein? Aujourd'hui, là, on parle d'une ville qui a 4 millions. Le Grand Yaoundé doit avoir 4 à 5 millions d'habitants. Zéro en urbanisation. Les salles de classe sont inondées. Jusqu'aux salles de classe. Ngouaïkélé est en hauteur. Donc, par quel miracle est-ce qu'un bâtiment se retrouve inondé en Ngouaïkélé, à Zambédou? Ngouaïkélé est en montée. La colline de Ngouaïkélé. Et c'est pas une petite, c'est raide. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas Yaoundé là, on voit qu'elle est en hauteur. On grimpe pour y aller.
Mais on vous dit qu'il y a inondation. L'eau la sort d'où, non? L'eau la sort d'où? Hein? S'il y a de l'eau là-bas, elle devrait descendre, non? L'eau là, elle ne devrait pas descendre. Elle stagne pourquoi? Elle stagne pourquoi? Que les enfants vont à l'école à la rentrée. Attendez que vous montrez quelque chose. Vous me fatiguez. L'enfant va à l'école à la rentrée. Tu achètes une belle tenue. Tu achètes même, tu te saignes pour que l'enfant ait une belle paire de baskets, un joli sac. Hein? L'enfant arrive, le sac est tombé dans la gadou. Mais la gadou sort d'où? À Zambedou. Et lycée moderne de Ngouaïkélé. Lycée moderne de Ngouaïkélé. Hein? Et ce sont les enfants de ces pays-là qui viennent souvent ouvrir la bouche sur nous autres aussi. Attendez, je vais vous montrer une nouvelle école. Hein? À partir de cet endroit, regardez bien. Une école tenait dans cet espace-ci. Une école provisoire tenait dans cet espace. Hein? Je vais vous la montrer. Regardez un quartier. On doit d'abord pleurer le deuil et ensuite on va parler d'urbanisation. Hein? Vous avez vu? On n'est pas allé loin. Voici l'école. Vous voyez derrière ces buissons. Regardez bien derrière ces buissons. Vous avez vu, c'est une nouvelle école hein, qui a ouvert ses portes cette rentrée. Cette rentrée. Et l'école la plus ancienne est là, de l'autre côté. Hein, le grand bâtiment que vous voyez là derrière les arbres. Deux écoles hein, à moins de 200 mètres l'une de l'autre. À moins de 200 mètres. Qui gère ce pays-là? Dites-moi. Qui gère ce pays? Seulement dire que vous êtes fier d'être Camerounais quand vous allez choquer dans le ballon rond. Hmm? Quand c'est pour le foot. Pour la Coupe du Monde, là, vous avez donné combien de millions à Eto'o? Vous avez donné combien de millions? Ça aurait pu sauver combien de vies? Hmm? Dis-moi, ça aurait pu sauver combien de vies? Tout, nous avons passé toute une vie à pleurer. Oh, c'est à cause de la France. Oh. Maman, à cause de la France. Vous-même, vous êtes où? Hein? C'est la France qui doit venir urbaniser votre pays. Ah, c'est la faute du CFA. Ah, ok. C'est le CFA qui va faire à ce que... Le fonctionnement du CFA qui va faire à ce que les gens ne soient pas, ne construisent pas un flanc de montagne, une montagne instable, un flanc instable. Quand vous allez changer la gestion du CFA, ça va mettre tous ces Camerounais à l'abri, n'est-ce pas? Hmm? Dites-moi. Parce que quand on porte des accusations, c'est que si on y remédie, tout change. Quand vous allez chasser la France, vous allez vous réveiller le matin et... Oh mince! Je suis dans un cul-de-sac là. Mais non, je suis dans un cul-de-sac là, c'est le collège. Bon bref, pour cette satanée, elle est beaucoup plus loin, j'ai pas envie de marcher jusqu'à là-bas. C'est le collège qui est juste là à côté. Je cherche l'entrée de l'école, je ne vois pas. Bon, peu importe. La prochaine fois, je viendrai ici. Regardez l'environnement dans lequel se trouve Nomuna. Regardez, nous sommes face à un collège. Hein. Regardez. Regardez le collège. Écoutez. Écoutez. Hein? Nous sommes assis là. Oh, c'est elle le responsable. Oh, c'est elle le problème. Oh. Nous, non. Nous sommes seulement des victimes. Notre vie ne dépend pas de nous, n'est-ce pas? Je suis dépassé, moi. Du grand n'importe quoi. Pour parler d'urbanisation. Ça, c'est de l'urbanisation. Ça, là. Ça construit de partout. Ça construit de partout. Hein? Tout a l'égout. On fait un trou, on rebouche. Non. Vous avez vu les terres de Yaoundé?
Non, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Hein? Pour dire que l'affaire là, bon, il n'y a pas de rip dans ça. Enterrez-les. On attend les prochains. On ne peut pas sauver un individu contre lui-même. Si quelqu'un est suicidé, il va finir par y passer. Il ne faut même pas rêver. Je pense que nous bavardons assez comme ça. Nous faisons comprendre à nos frères que ici, là, ce n'est pas la sorcellerie, ce sont des choix. Vos ministres détournent l'argent du pays. Hein, ça leur sert de quoi, de matelas? Il y en a même qui donnent à manger aux souris. Leurs souris sont les plus riches du coin. Les gars bouffent des billets de banque. Il y a des ministres qui nourrissent leurs souris avec des billets de banque. Ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. Mais quand c'est pour faire preuve, dites-vous, sur les réseaux sociaux, mot de bashing, les gens sont trop forts. Trop forts. Parce que vous pensez que sortir une école de terre, c'est sorcier. Hein? Ah, il y en a qui disent que c'est l'argent de l'Afrique. Non, ce n'est pas votre argent ici. C'est le fruit de notre travail. Nous ne concevons pas ici que nous soyons au four et au moulin, nous soyons à la mine et nos enfants se retrouvent à l'école dans la gadoue. Jamais. Quand ton enfant revient même sale là, tu tombes à l'école. Tu demandes aux agents là pourquoi est-ce que ton enfant est revenu. Bonjour Poutru. Tu demandes aux agents là pourquoi est-ce que ton enfant est revenu sale. Et tu leur dis que ça ne doit pas recommencer. C'est pas eux qui t'achètent la lessive. Hein? Voilà des enfants là-bas. Voilà des enfants. C'est la pause. Là, c'est une école. Ça, c'est l'école héritier. Vous avez vu? En haut là-bas. Ils sont allés jouer. Il y a une cour intérieure là. Là où vous voyez là. Ça, c'est l'école héritier. Vous avez vu? Allez, l'école sortie de terre. Vous décidez que, oh, il y a une école qui va être créée là. Même le bâtiment. Même la fondation, il n'y a pas. Mais sur le papier, il y a une école. Et nous devons vous respecter. Parce que les enfants là vont faire quoi? Ils vont fermer les yeux, ils vont imaginer qu'ils sont à l'école de soir. Ah, la vie de l'homme. La vie de l'homme, la vie de l'homme. Je vais tomber sur les Saminiens cet après-midi, sauf si je suis gagné même beaucoup marché là, je suis fatigué. Sauf si je suis fatigué, je vais vous tomber dessus comme une rafale. Hein? Nous vous caressons, nous vous avons caressé dans le sens du poil. Oh non, il faut laisser. Non, non. Non. Vous êtes le mal absolu de la société camerounaise. Les personnes comme vous. Le mal absolu. Et pour que le pays là tienne la route, il faut que vous soyez en dessous. Je dis bien en dessous de la moitié, largement en dessous de la moitié. Les personnes censées doivent prendre le dessus. Mais on ne peut pas vivre dans un pays dans lequel il y a des personnes qui te disent que moi je ne veux pas entendre raison. Moi je ne veux pas vivre dans la réalité. Ma réalité à moi, c'est ce qui se passe dans ma tête de sociopathe, de schizophrène. Hein? Non, on apporte une preuve. Non, moi, elle dit que ce n'est pas vrai. Toi qui? Toi qui? Le monde tourne autour de toi. Moi, je, toi qui? Dès qu'on apporte une... Non, les gars ont juste décidé que non, cette femme-là, elle est coupable. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on apporte comme élément de preuve, elle est coupable. Et nous devons laisser faire. Parce que quoi? Parce que vous êtes nombreux. Des locks des locks de 1. Tout chiffre multiplié par 0 est égal à 0, les gars. Même si vous êtes 9 milliards, ce sera toujours lock de 1. 0. 0 macabre. Donc nous allons arrêter ça. Nous allons arrêter le massacre.
Nous avons l'obligation, le devoir, l'obligation d'arrêter le massacre. Allez créer votre société sur Mars si vous voulez. Mais nous n'allons pas sacrifier notre pays parce que à un moment, nos pères ont décidé de nourrir le mauvais enfant. Hein? Pour que la population leur colle la paix. Ils ont décidé de faire la promotion de la médiocrité. Non, non, nous allons inverser ça, dis donc. Notre responsabilité de parents. Il y en a qui ont échappé hein, à leur façon de faire là. Et nous avons l'obligation d'inverser la vapeur. Capiché? Donc les Saminiens là. Hein, les justices pour Samy là. Ah, priez pour que je sois extrêmement fatigué cet après-midi. Priez. Ah, les gens qui parlent de mon porte-avions là, ils ne savent pas quel poids a mon porte-avions. Hein? Les Douma ne parlent pas devant les premiers de la classe. Ça a toujours été comme ça. Il faut que je vous le rappelle. Les Douma, le dernier là. Donc, bonnet d'âne. Hein? Au fond de la classe, avec le bonnet. On ne met même pas le dernier là. Derrière, avec le bonnet d'âne. Les autres bâtissent leur pays. Regardez autour. Et après, il y en a qui bosent. Hein? Il y en a qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour venir vivre en Belgique. Vous pensez que ici là c'est tombé du ciel? C'est tombé du ciel. Ah, déjà les ancêtres ici, pas vous qui priez vos ancêtres là. Déjà les ancêtres de ceux qui ont travaillé ici. Maman Sarah. Vous avez des gars. Vous n'êtes pas obligé de travailler à la mine. Les ancêtres de ceux qui ont travaillé dans les mines à charbon. Oui, pas vous qui dites qu'ils viennent piller l'Afrique. Ouais. Mine à charbon ici. Eh oui. Les gars mouraient, eux, à 35 ans. Les poumons noirs. Chez vous, là, les qui viennent extraire de l'or. Hein? Ce sont des Asiatiques qui viennent extraire de l'or, non? Vous êtes assis là. Même le petit doigt, vous ne levez pas. Hein? Les gars ici, mine à charbon. Et ce n'était pas quelque chose de facile. Vous avez tous lu Les Misérables, non? Vous avez lu Les Misérables. Ils ont connu la faim, ils ont connu le froid. Et voilà ces pays aujourd'hui. Moi, je fais quoi ici? Je fais ce que toi, tu ne peux pas faire. Hein? Je fais ce que tu ne peux pas faire, mon frère. Hein? Tu as vu que les portes... Moi, je suis entré avant. Je suis entré avant. Moi, je suis ici. Toi, tu es où? Hein? Voilà des locks, les locks de 1 là. Voilà les zéros macabo là. Avec des questions d'imbéciles heureux. Toi, tu fais quoi là-bas? Hein? Je fais ce que toi, tu ne peux pas venir faire. Tu ne me demandes pas pourquoi je me bats. Pour que là-bas soit comme ici. Tu arrives là, Dumbinkion, comme la crevette là, intelligente. Tu arrives là avec des questions qui faisaient peur à d'autres. Ah, tu fais quoi là-bas? Je suis chez moi ici, non? Parce que je suis quoi? On t'a dit que j'ai le passeport camerounais. On t'a dit que j'ai encore l'acte de naissance du 237. Il n'y a pas l'acte de naissance du 237, mon petit. Ma part désormais. Ça vient de Nantes. Hein? Ma part désormais, c'est écrit République française. Tu n'es pas content. C'est ton problème là-bas. Ne gère pas les zéros. Hein? Les zétos. Je me bats pour que tu n'aies plus à croire que les Occidentaux sont au-dessus des Africains. Hein? Tu veux me poser la question à deux francs, six sous. Toi, tu fais quoi là-bas? Hein? Je me gratte de mamelon si tu veux savoir. Je fais quoi là-bas? Des questions à deux fois si sont vraiment. Même ça là, c'est cher payé. Allez, la famille, il fait chaud. Hein? Ça, c'est l'été indien, Massa. Je suis arrivée au boulot. Et j'étais cherché le vidéo projecteur. Oui.
parce que nous ici, hein, nos employeurs nous mettent, nous donnent le matos. Notre vidéo projecteur sur le terrain, je suis allée chercher un autre vidéo projecteur à la direction. Comment va? Ça va et toi? Tu m'as fait peur, je me suis dit mais j'hallucine, c'est qui ça? Tu connais plus le... T'as oublié le code de la baraque? Ben non, ça se voit. Hein, je suis rentré tout à l'heure, j'ai laissé mon vélo ici, j'avais réunion à Perpignan. Ah, tricheur. Sinon comment va? J'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu à Jaurès, c'est impressionnant. Ah mais parce que je suis pas. Ah ouais? Et la rentrée et tout? Bah écoute, ça va, ça va. Elles sont toutes à l'école? Non, 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 la petite elle est pas encore, elle est encore chez nous. Elle a 2 ans et demi. Ah oui, elle est plus jeune qu'Alba. Ouais, bah, Alba, elle a fait sa rentrée, elle. Elle est 2020, Alba, je crois. Ah. Elle est 2021. Ah. Et la grande, attends, la grande, elle est en grande section, là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte de beau. Elle arrête pas de parler. Oh là là. Mais ça va bien. Elle veut refaire le monde. Ouais. Bah, c'est l'année prochaine que ça va être dur, parce qu'elle va rentrer en CP, et la petite en petite section, là. Donc là ah ouais, dur, la logistique et tout. Et toi, la famille va bien? Oh. Les filles vont bien? Ah donc, grand, jeune adulte, quoi? Jeune adulte. Petit, petit problème, grand, grand problème. Profites-en bien. Ouais, j'en profite, ouais. Je suis désolé, je voulais pas couvrir ta vidéo. Bah non, je t'en prie, c'est pas grave. Ouais. Non, mais c'est que je comprenais pas pourquoi tu étais dans mon champ de vision. Ah, le temps de réaliser, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là et tout, et tilt, il dit, oh, mais voilà. Voilà. Ouais. Et puis, contente de te voir, c'est tout. Bah, toujours, mon cri, c'était, ah, oh, ça fait longtemps. Et, du coup, vous avez pas recruté là, c'est Marco, il est pas là toujours il... Non, non, toujours pas. Non. Ouais. Mais c'est récent en même temps. Ouais, puis c'est pas évident de recruter. Ouais, voilà. Ok. Nous serons jamais au complet. Non, mais ça, c'est les... Par contre, les RP sont au complet là. Ça, c'est rare. Hein. C'est rare, hein? Ouais, voilà. Bon, allez, cherchez mon vélo. Ben, je monte. Ouais. Bon, tu repars direct? Ben, je te tiens à la ouais, porte alors. Non, t'inquiète, faut que je détache et tout, t'embête pas. Ça? Pas. Bon, non, je suis là. Bon, ben, c'est gentil. Donc, voilà, voilà. C'est mon collègue. Ben, en fait, il est reparti à la direction. J'ai hurlé parce que je comprenais pas pourquoi il était dans mon... dans ma vidéo et tout et tout. Tant pis pour lui, il va rester là-dedans. Donc voilà, voilà la famille, ben, je vais aller avaler un bout. Et puis, peut-être cet après-midi, il fait hyper chaud, il fait 30 degrés là, la vieillesse. Donc voilà, mon frère Abdelaziz, non, nous devons nous battre pour changer la tête du pays et les mentalités et tout. C'est un gros boulot et nous devons nous y mettre le plus tôt possible. Nous arrêter pour pleurer là, il n'y a plus de larmes, mon frère. Et tu sais bien que c'est au pied du mur qu'on juge le basson. Voilà, voilà. Ah, mais cool, il est nouveau ton vélo. Ouais, j'en avais acheté. Waouh. Oh, ben purée. Bah ouais, parce que l'autre, là, il était... Machin chouette, dynamique et tout, hein. Ah bah attends. Bah, il est en carbone. Non, il est pas en carbone, non. C'est le vélo de Virangue. Ah ouais, il est beau. J'avais cassé le frein. Ah ouais, l'autre là, non mais c'était ton vélo d'étudiant quoi, c'est une vraie... Il était à mon père. Une vraie M quoi, hein. Je dirais pas le mot, mais non mais il est bon ce dire. Je l'ai depuis mi-août, j'ai regardé, je suis à 550 km là. Ah, il est bon. Ça fait faire des... Mais voilà, ça te fait des mollets. Bon, bah, merci Karine. Courage. Et courage à toi. À bientôt. Bientôt, ouais. Ciao, ciao. À plus. Vous voyez la joie de vivre. Bah oui. C'est pas oh, ma collègue là. Elle avait essayé de me tuer. Elle avait essayé de me donner le poison. Elle avait essayé de... Allez la famille. Je gère mon... Je gère ma chaleur. Les bouffées... comment on appelle ça? Des bouffées hilarantes. Bon, je ne suis pas encore ménopausée, hein, donc je ne sais pas encore ce que c'est, les bouffées de chaleur. Aïe. Et puis, j'ai une bonne génétique, hein, ça se pourrait que je ne les ressente pas. Les jaloux au lac. Allez, la famille, peut-être à cet après-midi, sinon, seule la lutte libère. Nous n'avons pas le temps de pleurer. Quand on est au fond, on n'a pas le temps de pleurer. On avance. Ma carte bleue. Alors, je voulais saluer vos dieux d'hiver. Mieux, je me tiens. Vous savez que j'ai le sang du maquereau, non?
avait posé un mot là. On m'a dit que Kayin Michaud, elle avait dit que. Kayin Michaud. Alors, ça avance? Bonjour, vidéo proche. Ah, il y a le deuxième qui est là. Non, mais c'est la totale. C'était la panique ici. Mais du coup, nous avons deux vidéos proches. Ok, l'excès ne nuit pas. C'était la panique à bord ici, ma soeur. Les vidéos projecteurs sont sortis de partout. Pendant ce temps, virgule, il y en a qui viennent vous dire que c'est de la faute à ceci, c'est de la faute à cela. C'est de la faute à ceci, c'est de la faute à cela. C'est de la faute à ceci. Vous voyez, surpris, je suis partie pour rien, quoi. Hein? Je suis allée chercher le vidéo projet pour rien, cadeau. Alors. Je suis hyper agacée. Je suis très, très agacée. Ouais. Parce que je fais partie de ceux qui croient encore en l'humanité. Mais quand je me retrouve face à autant de bêtises, je me dis, ah, mon Dieu, nous autres, là, gardons l'espoir, mais est-ce que nous avons bien raison de garder espoir? Eh oui. Oui, oui, nous autres, là. Parce que j'arrive pas à croire. Ce Cameroun-là, je ne le reconnais pas. Les Camerounais dedans, là, je ne les reconnais pas. Ma mère m'a souvent dit, il faut avoir peur de l'être humain. Mais je crois qu'elle était en dessous de la réalité. Ou ce sont juste ces Camerounais qui ont nourri la méchanceté et elle est montée d'un cran. Parce que vraiment, pour ceux qui négligent ce qui se passe, peut-être que c'était le rôle de ce monsieur-là, hein, que sa mort nous révèle la profondeur, hein, de la méchanceté de certains de nos frères. Il paraît que chacun a son rôle ici-bas. Peut-être que son rôle à lui, c'était ça. Que sa mort serve de révélateur, de révélatrice de la profondeur du mal chez certains. Ouais, je vais finir par croire que chacun a vraiment son rôle dans ce bas monde. Quand tu as fini, tu t'en vas. Parce qu'il y en a qui nous ont sorti de ces absurdités. Tu restes comme ça, tu dis. Hey. Et ce sont ces personnes qui se permettent de dire, oh, on marchait avec les qui comme ça. C'est à nous de dire, on marchait avec les qui comme ça. Les personnes censées, c'est nous. Hein? Vous n'allez pas inverser la vapeur. Vous n'allez pas inverser les rôles. Vous n'allez pas inverser les rôles. Ah non, 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 non. Il y en a qui prient le diable, oui. Mais ça reste le diable. Hein? Ça reste le diable. Il y en a qui prient Satan. Ça reste Satan. Ça ne devient pas Dieu. Même Arès, Hadès et tout ça ont leurs adeptes. Ils n'en sont pas moins le dieu des enfers et le dieu de la guerre. Ils ne seront jamais Zeus. Maman, tu restes là comme ça. Il y a des gens qui te sortent des trucs absurdes. Absurdes. Oh, on a mangé la personne au village. Oh, 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 oh. Donc, tu préfères ne pas voir universellement. On va te dire que c'est noir. Universellement, non. Tu préfères vivre dans ta tête. Ça s'appelle la schizophrénie. Ça a un nom, hein. Entendre des voix dans sa tête, ça, c'est qualifié, hein? La maladie, hein? La maladie. Oh, c'est un fake. Moi, j'y crois pas. Oh non! Oh non! Oh oui, la voiture, là, est la même que dans l'accident. Oh, 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 oh! Michel, bientôt. Tu sais combien de voitures jumelles il y a dans une ville? Avec la même couleur. Ça veut dire que quand une voiture, il y a un délit de fuite, on te dit que
Il y a 2000 voitures avec cette couleur-là. Si tu n'as pas l'immatriculation, tu ne t'en sors pas. Si tu n'as qu'une partie, même d'abord, tu t'embourbes un tout petit peu. Tu es journaliste, n'est-ce pas? Il y a des voitures courantes. Bon, le Cameroun, je ne sais même pas quelle marque a l'autre voiture. Là n'est même pas le problème. C'est que tu ne te dis pas que ça peut être une coïncidence. Non! Michel Bienton. Non, 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 non. Après la batte de baseball, tu as oublié que tu n'as pas de théorie là. Et tu as affirmé. Tu n'as même pas parlé au conditionnel. Tu as affirmé. Il a été tabassé avec une batte de baseball dans un hôtel de Kribi. Tu as oublié ça. Maintenant que c'est que il a été tabassé dans une voiture qui était dans une chambre d'hôtel de Kribi. Je comprends pas. T'as pas là, tu veux tourner ça comment? Faut que je commence à me préparer psychologiquement à encaisser combien de jets. Michel Bienton, tu as dit, confirmé, parlé au présent. Il a. Et tu as bien dit batte de baseball. Il a encore commencé, il vient encore de publier là sur machin. Il n'en démord pas. Maintenant, tu dis que la voiture a fait quoi? Hein? La voiture a fait quoi? Dis-moi. Ça t'est venu comme ça? Depuis que la vidéo là est posée là. Il vient encore de publier là. Il dit que quoi? Il ne va pas lâcher. La haine ne se dissipe pas comme ça. Non. C'est pour cela qu'il faut que Karine Mungwe, que la société et Karine Mungwe, ça veut dire que Karine Mungwe en tant qu'individu et Karine Mungwe représentant. Regarde, écoutez. Des lui dire, hein. Ça ce sont des lui dire. Donc un journaleux qui n'est pas allé vérifier des sources, pourquoi est-ce que j'anticipe même? Manimazoufoua, mise en ligne de quoi? Le mari de Karim a soupçonné Samy de sortir avec sa femme. Des lui dire, hein. Des soi-disant témoignages des personnes qui ont appelé sur Facebook. Pas qu'il soit allé mener son enquête. Non. Pas qu'il soit allé mener son enquête. Voici donc un journaleux. Voici donc un journaleux. C'est ce qu'on appelle journaleux, Michel. Il vient de publier. Ça part de source là. Ce sont des témoins qui. Moi-même, je n'ai pas appelé là. Je dis que c'est moi qui tenais la chandelle. Aucune preuve. Ils ont déjà tout sorti. Ils ont déjà tout. Aucune preuve. Et ça s'est dit, tu veux qu'on te prenne au. Tu veux qu'on te prenne au sérieux. Les voilà, les publications. La voiture, ceci, la voiture, cela. Samy Lenoir a bagarré. Voilà. Samy Lenoir a bagarré avec le mari de Karimo. La voiture la vient chercher quoi? Ah, c'est le film. Hein? C'est le film qui a été tourné. Waouh. Vous allez finir par vous embourber dans votre propre cervelle. Samy Lenoir avait ses propres bureaux chez Karimo. Il y a quoi d'exceptionnel dedans? Mon frère travaille pour une société sous-traitante de Madjubo qui a ses bureaux dans Madjubo, à Douala. Ça prouve quoi? Je répète. Mon frère, un de mes frères, travaille chez un sous-traitant de Madjubo qui a ses bureaux dans l'enceinte de Madjubo, à Douala. Donc le côté administratif de la LUCAM. Tu traverses la barrière comme ça. Tu es dans Madjubo. Et il a ses bureaux là-dedans.
Michel, bien ton, je demandais, c'est le froid qui a seulement fini avec ta cervelle ou bien? Parce qu'il y a des choses qui sont inexplicables. Donc c'est parce qu'il avait ses bureaux là-bas qu'il ne pouvait pas être sous-traitant. J'ai mon espace, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de louer ça à mon sous-traitant, je loue ça à mon sous-traitant. C'est une preuve de quoi? C'est une preuve de quoi? Que Samy Lenoir ait été employé ou bien prestataire, ça a que l'impact sur sa fin de vie. Est-ce qu'on parle de la gestion de l'accident par Karim Wampaya? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que de ça qu'il s'agit. Il y a des femmes de. Il y a des. Comment on appelle? Les filles au père qui habitent chez l'employeur, non? Il y a des employés qui habitent, qui sont dans une dépendance chez l'employé, chez le. Ah, parce que ce sont des employés, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, tu vas me dire là que directement, ils sont employés, ils ne sont pas prestataires. Moi, je connais donc des prestataires dans votre pays là, qui ont des bureaux, là où ils prestent. Qu'est-ce que tu entends par prestataire? Tu sais même, toi, tu n'es pas un prestataire. Du moins, je ne sais même pas qui achète tes articles là, mais bon. Je reviens. J'espère que j'aurai le temps de me palucher toutes vos bêtises là. Toutes vos bêtises. Et il prend. Non, mais ce qui est terrible, c'est que il prend les 8 dits. Personne n'est allé vérifier que la source soit bonne. Parce que ce sont des personnes qui appellent comme ça. Tu n'as même pas l'identité. Des fois, la personne ne se présente pas ou te dit vaguement, je suis un tel. Et c'est pris pour... Ouais. Bien qu'on dit qu'on te prenait au sérieux. Voici le PV de l'accident de Samy Lenoir fabriqué par Karim Ngoué. Waouh. Waouh. Et il parle, il confirme. Chez lui, là, il n'y a pas de conditionnel. Non. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est conjugué. Il sait même que le conditionnel existe. Et il a pris chez One Love. Et il a pris ça chez One Love. C'est écrit dessus One Love. One Love qui dit aujourd'hui qu'il y a eu accident. Est-ce que nous allons nous en sortir? Hein? One Love dit aujourd'hui qu'il y a eu accident. Qu'il a la vidéo intégrale depuis un mois. C'est écrit. C'est écrit One Love sur ses preuves. Celles qui selon Dan Mongweka voilà, c'est qui One Love hein? Samy le 1er juillet dernier à Bibi. C'est qui One Love? J'aimerais poser au... Ils ont présenté ça comme un truc fabriqué. Maintenant ils disent que One Love lui dit qu'il y a eu accident. Il a la preuve depuis un mois. Il a la vidéo intégrale depuis un mois. Nous allons donc passer la vidéo là aujourd'hui, les deux vidéos, l'extrait et la vidéo, peut-être pas la vidéo intégrale, mais nous allons tirer le curseur avant et après. Vous allez me dire si vous voyez une différence. Mais bien temps, vous parlez de sorcellerie, de diable, on n'a pas besoin d'attendre la nuit. On n'a pas besoin d'attendre la nuit. Le sorcier n'a pas besoin d'attendre la nuit. Il est là en plein jour et ne se cache pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Tu as la chance que toi, tu as pu intégrer une société de droit. Là où on ne laisse pas les gens faire tout et n'importe quoi. Diffamer comme ça, tout va. Tu as cette chance-là. Et tu ne.
Rends pas cet état des choses à tes frères qui sont eux dans la détresse. Oh, Amourou Belinga, si c'est comme ça, sortez Amourou Belinga. Tu peux comparer. Toi qui es un grand journaliste d'investigation, tu sais pourquoi Amourou Belinga? Tu m'avais dit que oh, je me trompais, que je me trompais. Non, Daniel est sixième et toi. Hein? Oh oui, qui ne sait pas que l'Amourou, l'affaire Amourou Belinga est plus compliquée que ce qui n'y paraît. Que ce Cameroun-là, tu crois que tu es né avant moi? Ce Cameroun-là, je le connais. Nous avons suivi ce Cameroun-là, évoluer la politique, évoluer là. Les gens mourir, prendre, être des hommes de pouvoir, mourir. Voilà les droits, tu sais, dit qu'il va être candidat. Ouais, on attend voir. Bon, bref, le 237 là. Vous les arrivez hier là, vous pensez que vous connaissez plus que nous là, qui avons connu Aïdjo et Bia. Parce que vous dites souvent que vous avez des tuyaux. Vous pensez qu'on a besoin d'avoir des tuyaux 237 là. Vous pensez qu'on a besoin d'informateurs. Des tuyaux percés. De mauvais tuyaux. Ou des tuyaux percés. Des tuyaux qu'on vous donne selon l'intérêt de chacun. Pas besoin de tuyaux. Tu analyses seulement les faits. Martinez a seulement accéléré la chute. L'affaire Martinez a seulement accéléré la chute de comment on appelle, d'Amourou Belinga. Il est là-bas pour l'ensemble de son œuvre. Pour l'ensemble de son œuvre, moins pour Martinez même. Il est là-bas pour l'ensemble de son œuvre. Et pas ce que nous voyons même là. Entre eux là-bas. Des histoires de pouvoir. Michel Bienton. Vraiment. Je vais me reposer parce que j'ai affaire cet après-midi. Allez. Allô. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Qu'on retrouve les sangs. Ce qui est important, c'est que tous les corps soient sortis des décombres. Pour que tout le monde fasse son deuil. Parce que savoir sa personne disparue sans certitude que la personne est décédée, ça c'est, voilà, c'est dramatique, c'est plus que dramatique. Et c'est dramatique parce que il y a des enfants qui ont trouvé la mort là, des enfants que nous sommes censés protéger, qui ont trouvé la mort, mais les adultes là non, on les pleure pas, on pleure les enfants, ils n'ont rien, ils n'ont pas demandé à être là, et surtout pas avoir des parents, les parents que nous sommes. Qu'on les enterre, qu'on attende les prochains. Parce que là où nous sommes là, nous ne comptons pas nous battre. Les gens vont continuer à mourir. S'il faut que la moitié de la population camerounaise décède pour que le reste prenne conscience, allez, allons enfants de la patrie. Ainsi soit-il. À tout à l'heure.